Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'exploration. Nous allons vous présenter trois lieux faisant partie d'une ancienne ligne de chemin de fer, vieille de plus de 130 ans. Ce pont de type Eiffel, long de 187 mètres, enjambe le Gave d'Oloron. Il est possible d'admirer à travers une petite randonnée la chaîne des Pyrénées, ainsi que le pont depuis le sommet de la falaise. La tranchée ferroviaire n'est pas moins impressionnante. Longue de plus de 500 mètres et profonde de 20 mètres, on peut y admirer le travail colossal qu'il a fallu à l'époque. Et enfin, le tunnel. Cet ouvrage long de 850 mètres a été rempli de défis dus à l'instabilité du terrain. A l'origine, le tunnel devait faire 400 mètres de longueur. Le tunnel est implanté dans le Flysch, qui est un mélange de grès et de schiste. Cette roche est visible sur tout le littoral basque. La nature a très vite repris le dessus. On peut constater que les infiltrations d'eau multiples ont créé de magnifiques coulées de calcite, ainsi que d'égouts. Ces coulées de calcite sont issues du ruissellement de l'eau, déposant du calcaire au fil des années. Deux puits de forage ont été créés et ont ensuite été réhabilités en puits de ventilation. Le tunnel ne fut électrifié qu'en 1930. Bonjour. Bon, ça va tenir? Oui, non. Bonjour.